Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre déjà pour commencer. Et puis aujourd'hui, on va faire une vidéo sur ma routine sono dans la voiture. Donc, je vais vous montrer voilà comment ça se passe, comment je règle vite fait ma musique et comment je trouve tout ce que j'aime écouter dans la Model 3. Voilà, à tout de suite en images. Nous voici donc à bord de la Model 3, voilà, alors donc tout se passe sur l'écran tactile hein, évidemment. Là comme vous voyez, donc moi j'utilise beaucoup l'option de recherche directement dans Spotify, je tape directement le nom de l'artiste, donc là j'ai tapé Angus parce qu'en ce moment j'ai une grosse passion pour Angus et Julia Stone. Et en haut on a une barre pour nous aider à naviguer soit par album, par titre ou par artiste, donc là j'ai sélectionné artiste, ensuite on peut faire défiler le nombre de... les œuvres, on va dire, de l'artiste. Et puis là, j'ai sélectionné un album et tout de suite, donc je mets une chanson que j'aime bien et c'est parti au niveau de la lecture. Voilà, on peut cacher en cliquant sur le bouton musique sur le côté. Il y a plusieurs modes d'affichage, vous voyez en plein écran, un peu plus, un peu plus petit. Là, on peut faire défiler aussi l'historique. Donc si on sait que récemment on a écouté telle chanson, hop, on fait défiler, on peut revenir tout de suite rapidement dessus. On peut aussi là lancer une radio, donc à partir de ce titre là, donc Spotify va chercher en fait des musiques qui sont similaires et puis on peut aussi cliquer sur le bouton suivre si on veut l'enregistrer dans nos favoris. On a aussi les playlists Spotify qui sont présentes, donc là suivant l'ambiance, vous voyez par exemple là je vais cliquer sur chill, donc on a toutes les musiques un peu ambiance, techno, électro, voilà, après on n'a plus qu'à cliquer pour lancer ce qu'on veut. C'est vraiment hyper complet, on retrouve vraiment les fonctionnalités sympas de Spotify directement dans la voiture. Ensuite on peut écouter la radio, vous voyez je viens de cliquer sur radio, donc on peut enregistrer nos radios préférées, on peut aussi saisir des fréquences manuelles. Ça capte assez bien je trouve au niveau de la Model 3, franchement pas de souci. J'utilise très rarement les radios, honnêtement je suis plutôt sur Spotify. On a aussi téléphone, donc là on a les téléphones qu'on a appairés via le Bluetooth qu'on peut donc utiliser pour jouer de la musique dans la voiture. On a TuneIn aussi, donc là qui utilise le data de la voiture et qui est donc en fait des radios internet. Donc on peut écouter les radios du monde entier grâce à TuneIn, vous pouvez lancer une recherche et voilà. Alors encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, la Model 3, elle a en fait... une puce 4G dedans, une eSIM, et donc on peut capter donc directement le réseau grâce à cette puce, il n'y a pas besoin de partager sa connexion. Là dans les réglages on retrouve la balance, donc c'est simple, encore une fois avec le tactile on peut régler d'où vient le son, on peut aussi choisir un son immersif ou pas. Donc c'est simple, hein, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités au niveau des réglages, le son est vraiment top, moi j'adore. Voilà, je suis tout le temps sur cet onglet là, Spotify, et puis en haut on retrouve donc ce qu'on est en train d'écouter. Je vous remets un petit coup la recherche, et puis on change d'album facilement, on a tous les titres, et ça charge instantanément. Il suffit juste d'avoir du réseau. Franchement d'ailleurs la voiture, note un peu pour ceux qui craignent, elle utilise le réseau Orange. Chez nous, Orange ne capte pas à la base et elle doit avoir une sacrée antenne parce que j'arrive quand même à capter Orange à la maison, sachant que ça ne capte jamais en principe et qu'on a toujours des soucis avec Orange qui ne marche pas chez nous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis surtout à très bientôt pour une nouvelle. Salut !